allons ici. Je reviens sur ça. Parce que j'avais montré la preuve absolue. Souvenez-vous de ça, même il y a un an et demi de ça, même 2 ans, j'ai montré la preuve absolue que la religion reptilienne, les bêtes reptiles religieuses, les putes, ils ont créé leur site démon, leur église démon. Ce qu'on voit là n'a aucun lien avec Dieu, n'a aucun lien avec Dieu, et que j'ai montré la preuve absolue que leur religion reptilienne cache sur la sorcière Jézabel. Souvenez-vous de ça, la sorcière Jézabel Ishtar. Mais il faut comprendre, regardez les ruses, hein. Ça c'est les ruses, hein. Il faut bien comprendre. Ça, de tout ce qu'on voit là, regardez, on voit écrit Notre Dame de la Garde. Mais il faut comprendre que ça, c'est des ruses de Jésus-Christ Allah. Il a mis exprès comme ça, vous avez compris. Pour faire quoi? Pour faire croire que ça définirait... Là, je parle sur Ishtar. Il faut comprendre sur ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens, que quand ils lisent, ils voient écrit Notre-Dame de la Garde. Donc, beaucoup de gens tombent dans le piège de Jésus-Christ Allah. Tous, ils vont dire... Ah, mais c'est super, hein. On a une bonne mère qui nous protège, hein, qui veille à nous, qui nous donne la vie, qui nous guérit. Ah, on a une bonne mère qui fait des miracles. Tous pensent à ça, vous avez compris? Puisqu'on a constaté que de l'autre côté, que de tout ce qu'on voit avec la religion reptilienne, des dinosaures, les dinosaures, ils sont liés aux sortilèges et sorcelleries avec des faux miracles. Faux miracle, ça veut dire qu'il n'y a pas de miracle, que tout est faux. Vous avez compris sur ça. Mais lui, il a mis exprès Notre-Dame de la Garde pour que beaucoup de gens, surtout, je parle pour ceux de Dieu, ceux de Dieu vont tomber dans le piège et vont penser que la statue donc qu'ils voient là à Marseille, ils pensent que ça définirait la mère divine. Vous avez compris sur ça. Tout est faux, vous avez compris sur ça. Surtout que j'ai expliqué que de tout ce qu'on voit, les statues, souvenez-vous que j'ai montré la preuve absolue, que statues, toutes les statues qu'on voit ici à l'enfer du Christ, c'est des statues, ce sont des démons qui sont là. Ça veut dire que bientôt, vous verrez les statues bouger, vous avez compris? Parce que les statues, en réalité, sont liées à des créations démons, vous avez compris sur ça. C'est de tout ce qui est diabolique et démon. Mais il faut comprendre, ça c'est des ruses. Donc, il a caché, Jésus-Christ Allah, qu'en réalité, la statue qu'on voit à Marseille, même partout dans le monde, vous avez compris sur ça. Et là, de ce qu'on voit à Marseille, ça définit le diable Ishtar, la prostituée, qui est leur pute Jésus-Christ Allah. Vous avez compris qui est le diable. Donc, lui, il a mis exprès, regardez, Notre-Dame de la Garde. Parce que dame, ça se dit. Deux, et là, ça se dit. Et garde aussi, donc ceux de Dieu sont tombés au piège de Jésus-Christ Allah. Vous avez compris sur ça, puisqu'ils vénèrent des statues de dinosaures. Vous avez compris qu'ils sont liés à tout ce qui est démon, à tout ce qui est diabolique. Vous avez compris sur ça. Ce qu'on voit là est la prostituée Ishtar, la prostituée Jézabel qui est leur pute Jésus-Christ Allah. Mais souvenez-vous que j'avais montré la vérité absolue de ce qu'ils ont fait il y a 300 000 ans en arrière. Ils ont briser la crèche de Dieu qui se trouvait ici, là, regardez, où on voit la prostituée Ishtar et leur église démon, c'est là, à très très loin de ça, à 300 000 ans, à 300 000 ans en arrière. Ils ont brisé la crèche de Dieu, ils ont dépouillé, vous avez compris, ils ont tué, les religieux du Christ, ils ont tué, et de là, ils ont conçu. Ils ont toujours créé de ce qu'on voit, vous avez compris, leurs églises démons, vous avez tout compris sur ça. Mais le Messie Jésus a vengé Massalia. Et les sales putes, j'ai montré la vérité sur ça. J'ai montré la vérité sur ça. Souvenez-vous, ceux de la lumière, que j'ai montré la preuve absolue, même il y a longtemps de ça, dans mes vidéos, que j'ai montré sous le nom Massalia. Et le nom Massalia est Dieu Isis. C'est Dieu Isis qui s'appelle Massalia, qui se nomme Massalia. C'est elle la reine Massalia.
Et de l'autre côté, on constate que Jésus-Christ Allah fait croire que Marseille serait Massalia. On a la preuve sur ça. Et il fait croire que Massalia serait Marseille. Mais ce nom Marseille fait le lien, comme j'ai expliqué, j'ai montré la preuve sur ça, qui est Bélial. Et Marseille définit la bête Mars, le diable Mars, lui qui est lié à la bête guerre. J'ai montré la preuve sur ça. La bête, la guerre, la bête, la guerre, de tout, daguerre, de tout ce que j'ai montré sur Stellarium. C'est la bête Mars qui est là, Marseille. Et Marseille est Bélial. Donc, ils ont enlevé le nom Massalia, et de là, ils ont mis Marseille. Et qu'est-ce qu'on voit à Marseille? On voit la tuerie, donc on voit la bête mafia, de tout ce qu'on vous montre là. La drogue aux démons, la tuerie, prostitution, le désordre de partout, vous avez compris. Et ils cachent qu'en réalité, ils maudissent la crèche de Dieu, parce qu'ils ont créé leur site démon, mais sur la crèche de Dieu. Souvenez-vous que je montrais la preuve absolue sur ça. Mais là, regardez. Le Messie, là, lié à l'identité de Tsitsipas, donc à l'identité Stéphanos, et qu'on voit le nom de Tsitsipas, le nom magique de Dieu, fait le lien avec ça. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et Jésus a vengé Massalia, qui fait le lien aussi à venger sous Patricia. Parce que c'est là à Marseille, que Patricia a subi de tout ce qui s'est passé, beaucoup, beaucoup d'agressions, les viols, séquestrations, souvenez-vous, et que c'est là, à Marseille, que Patricia est tombée sur la bête Bélial. Vous avez compris sur ça. Jésus a vengé Massalia. C'est Dieu Isis qui se nomme Massalia. Donc ça veut dire que avant qu'il y ait le nom Marseille de Bélial, il y avait le nom Massalia. Vous avez compris sur ça. Allons ici. Le 23 février 2020, Jésus a vengé Massalia et qui donne 2007. A vengé Massalia, comme j'ai expliqué, qui venge sa mère divine, le Messie. Parce que c'est là, ici, qu'il y avait la crèche de Dieu. C'est à très très loin de ça, il y avait la crèche de Dieu ici. Il n'y avait pas d'église, mais ça le pute, les religieux du Christ. Hein. Donc, être votre fin fatale est là. Et on constate que existe, regardez, on a la preuve de plus sur ça. Et vous savez la vérité, vous de la lumière, que le nom Massalia n'est pas Marseille. Le nom Massalia n'est pas Marseille. Et Massalia n'est pas Marseille, et Marseille n'est pas Massalia. On a la preuve sur ça. Mais ayez très crainte, puisqu'on constate que le nombre 20 est là. Le nombre 20 est là sur Massalia. Donc, ayez très très crainte de ça.